Alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici, Mélanie Joly de Hunsic-Cartierville, candidate pour le Parti libéral. Je suis accompagnée de M. Stéphane Dion, que tout le monde connaît, et de la candidate de Radio-Canada, en fait, Christine Poirier, qui est dans Laurier-Sainte-Marie, là où le siège de Radio-Canada est situé. Écoutez, pour nous, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous appuyer dans la cause de Radio-Canada et d'avoir marché avec vous aujourd'hui. Pour nous, ça va de soi que Stephen Harper, les conservateurs, en fait, n'aiment pas Radio-Canada. Ça fait des années que les conservateurs discréditent Radio-Canada et CBC à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Et en plus, qu'ils coupent les vives de Radio-Canada depuis plusieurs années. En fait, la mesquinerie de M. Harper et ses ordres conservatrices est si évidente, si présente dans tant de domaines, qu'elle est encore plus évidente à l'endroit de Radio-Canada. Tout le monde pourtant reconnaît que le Canada, adossé au colosse américain, puis en plus dans le contexte que Radio-Canada doit s'assurer de communiquer avec une population extrêmement diversifiée d'un océan à l'autre, mais ça va de soi qu'on doit avoir un diffuseur public fort, indépendant et moderne. Et non seulement ça, au moment même où la toile numérique explose et que l'on a accès via le web à différentes réalités à travers le monde, mais ça va de soi que nos créateurs, notre réalité d'ici doit être communiquée et qu'on doit se faire entendre. Et donc, dans les circonstances, notre contenu canadien doit percer la toile. Et il y a seulement véritablement un diffuseur public qui peut arriver à faire en sorte que ça soit le cas. Nos engagements au niveau du Parti libéral, ils sont clairs, en fait. On veut non seulement annuler les compressions budgétaires de Radio-Canada, mais aussi assurer qu'il y ait des nouveaux fonds pour Radio-Canada. Pour nous, en fait, Radio-Canada, c'est un pilier de nos industries de la culture. C'est une institution nationale indispensable qui communique dans deux langues officielles, en fait, puis qui assure qu'on ait une culture commune au Canada. Et non seulement ça, c'est la promotion du fait français, en fait, de la langue française partout à travers le pays. Et si Radio-Canada n'est pas là, qui va le faire? Voilà donc pourquoi le Parti libéral, on s'est engagé à investir 150 millions de dollars dans Radio-Canada. Donc, ce qui annule les coupes, mais qui réinvestit aussi dans Radio-Can. Non seulement ça, on s'assure aussi de faire en sorte qu'il y ait un processus de nomination des membres du conseil d'administration de CBC Radio-Canada qui soit fait de façon indépendante, fondée sur le mérite et pas basée sur les accointances avec le gouvernement. Et donc, finalement, merci beaucoup d'avoir été ici et sachez que le Parti libéral, on est là pour réinvestir dans Radio-Canada parce que nous, on y croit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Stéphane Dion, je voudrais juste rajouter un petit mot à Mme Joly, ce qu'elle vient de dire. Pourquoi donc je suis si fier que notre chef Justin Trudeau et que le Parti libéral Canada est le parti qui offre le plus pour Radio-Canada dans cette élection, 150 millions de dollars par année, très rapidement, au bout de 2 ans, on atteint 150 millions, financement stable, pluriannuel, processus de nomination du conseil d'administration qui va assurer l'indépendance et la compétence du conseil d'administration, un mandat pour Radio-Canada qui va inclure la protection du contenu canadien et aussi le rôle de Radio-Canada à l'international va être renforcé. Le rôle de Radio-Canada pour les communautés de langue officielle partout au pays va être honoré. Et pourquoi j'en suis si fier? C'est parce que pour relancer une économie, il faut bâtir ça sur la culture. Parce que ce qu'on va faire pour Radio-Canada, on va le faire pour le Conseil des Arts. On est le seul parti qui va doubler le financement du Conseil des Arts. On va le faire pour Téléfilm Canada. On va le faire pour l'Office national du film. On va créer des programmes qui vont aider nos artistes à exporter à l'extérieur. On va investir dans les infrastructures, dans nos centres culturels, dans nos salles de concert. On va investir parce que la culture, c'est ce qui fait la qualité de la vie et c'est ce qui relance l'économie. New York s'est relancé par la culture. Les États-Unis n'auraient pas d'économie sans Hollywood. On va faire la même chose au Canada. Après 10 années d'assèchement culturel, on va avoir une renaissance culturelle avec Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada. Thank you. Merci.